en Azerbaïdjan. Cette expo, c'était pour présenter en Europe les artistes azerbaïdjanais avec leurs différents aspects, à la fois figuratifs et à la fois abstraits. Cet artiste, par exemple, c'est Racine Babayev, qui est l'artiste qui était le premier artiste versé de l'histoire de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan était indépendante en 1917 et 1918 et finalement était subjuguée par l'Union soviétique pendant toutes ces années. Après, Babayev est né en 26 en pleine période stalinienne. Il a réussi d'être subversif même à l'école d'art. Il était reconnu comme un peintre un peu provocateur. Le choix de lieu, Madame la Première Dame d'Azerbaïdjan, Maryvan Aliyeva, a décidé de trouver un endroit, un lieu parisien par excellence. Elle a choisi le Hôtel Le Bleu pour ça. Et on voit bien pourquoi, parce que c'est très très parisien, Place Vendôme. Et elle a préféré de montrer l'art moderne dans un endroit où on avait l'impression de vivre quelque chose dans le 19e. Combien il y a d'artistes en tout sur l'expo? Il y a 34 artistes, 32 peintres et 2 sculpteurs. Babayev, il est décédé il y a 2 ans, il est né en 26 et que ça va jusque les artistes qui sont nés en 80-82. Très très jeunes artistes. Mais le mémoire dans la peinture azerbaïdjanaise, le mémoire de cette subjugation et domination soviétique, on voit dans tous les tableaux. Le feu de l'indépendance et des désirs d'être indépendant de tout ce qui était domination de qui que ce soit. Donc on voit ça dans le peuple. Vous pouvez nous parler un petit peu du musée parce que... Le musée est sublime, c'est un nouveau bâtiment complètement moderne et on ne sait pas où se mettre. C'est tellement aventure, c'est comme un ghetto. On arrive et il y a des tableaux partout. On fait un choix, c'était presque impossible. C'était très difficile. Et moi, j'ai essayé de faire un choix avec la première dame et bien entendu le board of the museum. J'ai fait un choix qui représentait vraiment cet esprit indépendant, cet esprit de feu qui est remarquable chez les Azerbaïdjanais. Là, il est ouvert au public maintenant, ça y est, c'est... Si, voilà. C'est ouvert depuis 2 ans. Il n'y a pas beaucoup de visites parce que les gens ne vont pas souvent à Bakou. Mais moi, je les invite avec une grande plaisir d'expérimenter cette fabuleuse ville. C'est au revoir, merci beaucoup. Sen güzelim, külden ince sen. Gülüncedir sen, sen güzelim, külden ince sen. İnce nezaketin kadar, ince düşünce sen. Her oyun adamda sanki bu fikirle el atırsan kılınca sen.